Philippe, je vous propose de commencer. Je m'excuse, ce matin, je n'ai pas présenté en fait à Maëlle. Et donc, Philippe Mazereau est professeur émérite et faisait partie du CIRNEF à l'Université de Caen-Normandie. Et il a écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages en fait sur la question de l'inclusion. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir l'entendre à nouveau. On s'est rencontrés une fois dans une conférence, j'avais beaucoup aimé. Et je suis vraiment très, très contente que vous ayez accepté de participer. Voilà, vous avez la main pour projeter. Je vous laisse la parole et je coupe mon micro. On fonctionne comme tout à l'heure, si vous le voulez bien. Les questions dans le chat que j'essaye de compiler et que du coup je soumets en fait à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Bien, ben en tout cas, merci. Le son fonctionne? D'accord. Donc, merci de cette invitation. J'ai été aussi très intéressé par la présentation que Amaëlle André a faite ce matin. D'ailleurs, je pense que je dialoguerai un peu à distance avec cette intervention, plutôt en fin de présentation. L'objectif que je me suis fixé aujourd'hui, là, c'est d'essayer de prendre un petit peu de hauteur, beaucoup de hauteur au sens d'altitude, c'est-à-dire de regarder un peu l'inclusion dans une double dimension, à la fois internationale et française, parce que, bien sûr, cette notion d'inclusion fait l'objet de différents niveaux de lecture. Et puis aussi, donc, entrer, je dirais, de façon plus concrète dans la fabrique des politiques inclusives, notamment au niveau des systèmes éducatifs, hein, puisqu'il faut savoir que ça va être l'objet un peu du premier temps de ma présentation, hein, que de comprendre le pourquoi et le comment de la mise en œuvre de politiques inclusives au niveau mondial. Et puis le troisième, disons, objectif de l'intervention, c'est de ne pas perdre de vue, évidemment, ce qui se passe concrètement dans les classes, hein, chose que je ne perds jamais de vue, et d'ailleurs, bon, dans pas mal de travaux de recherche, j'ai été amené à suivre un certain nombre de classes, que ce soit en école primaire, en collège ou dans différents dispositifs médico-sociaux, pour essayer de comprendre un peu en quoi l'inclusion modifiait un peu le paysage des pratiques installées, on va dire. Alors, rapidement, je dirais, mon niveau d'analyse. Il essaye toujours, et c'est malheureusement, c'est pas toujours facile à tenir dans la distance, mais c'est de croiser à la fois une analyse socio-historique, c'est-à-dire de toujours se référer dans une quelconque analyse, bien sûr, aux divers précédents historiques de ces notions. Et puis à la fois donc socio-historique et systémique. Systémique, ça veut dire qu'on essaye d'embrasser dans un ensemble à la fois la dimension qu'on a l'habitude de qualifier du niveau macro, du principe, des valeurs qui organisent ou qui conduisent les politiques éducatives, le niveau des organisations scolaires, du fonctionnement des établissements et le niveau des interactions comme enseignants et élèves dans les classes.
en sachant que, y compris d'ailleurs la représentation que vous avez sur la diapositive que je suis en train de présenter, est une représentation peut-être un peu faussée, parce qu'elle pourrait, je dirais, à la limite suggérer que, comment, que le niveau des principes et des valeurs encadre et détermine tous les autres, alors qu'on s'aperçoit finalement, justement par le biais de l'histoire, que ce n'est pas si simple que ça, et que, bien sûr, les interactions peuvent fonctionner dans tous les sens. Voilà, c'était simplement pour indiquer que, il ne s'agit pas de dire que le principe de l'inclusion détermine strictement la façon dont sont organisés les systèmes éducatifs et entraîne un certain nombre de conséquences dans les classes. D'ailleurs, on va le voir avec des exemples de différents pays qu'on va pouvoir passer en revue rapidement. Alors, pour situer, hein, il faut bien être au clair sur cette question de l'inclusion, puisque c'est aujourd'hui une doctrine éducative mondiale, hein, qui est fondée sur les droits de l'homme et la lutte contre les exclusions. Alors, doctrine éducative mondiale, hein, c'est une forme de mondialisation éducative, hein, ce qui, finalement, à l'échelle de l'histoire des systèmes éducatifs n'est pas si fréquent, c'est-à-dire qu'il y a un alignement relatif différents systèmes sur une vision qui est portée par les organisations internationales, notamment par l'ONU et l'UNESCO. Donc, l'origine de ces politiques de type inclusif, donc là, je l'ai vu aux États-Unis en 1990, hein, par l'intermédiaire de la Man with Disability Act, et qui, bien sûr, qui lui est fondé sur le régime juridique particulier donc des États-Unis, qui met en avant, hein, ça traverse beaucoup l'actualité en ce moment, la question des discriminations ou de la non-discrimination. Donc, les questions du handicap sont pensées donc aux États-Unis, mais pas simplement aux États-Unis, puisque maintenant, c'est la Convention internationale de charte de l'ONU de 2006 qui est en vigueur, sont pensées sous le prisme juridique de la non-discrimination. C'est important à comprendre. D'une part parce qu'aujourd'hui ça fait partie des droits nationaux de tous les pays qui ont adopté cette convention, et d'ailleurs en ce qui concerne l'Union européenne, il y a une double adoption, c'est-à-dire que les différents États ont adopté cette convention, mais l'Union européenne en tant que telle l'a aussi adoptée elle-même. Ça veut dire qu'elle a une force juridique qui est contraignante. On va comprendre que cette force juridique contraignante, bien sûr, implique un certain nombre de conséquences au niveau des États. Bon. Et bien sûr, détermine aussi des possibilités de recours ou d'action en justice, hein, sur des questions de scolarisation, discrimination de tous ordres envers les personnes handicapées. Alors, chaque niveau est indépendant. Le niveau international, c'est bien sûr, il y a la question de l'ONU, mais pour l'Union européenne, la question de l'inclusion est devenue une politique sociale globale. Je vous ai mis là dans la diapositive, hein, la définition qui est donnée de la politique inclusive au niveau de l'Union européenne. Vous voyez que c'est une politique de cohésion qui ne concerne pas simplement les travailleurs ou les personnes en situation de handicap, mais ça concerne
les travailleurs peu qualifiés, les migrants, les minorités, les personnes vivant dans des zones défavorisées, les femmes sur le marché du travail. En fait, c'est la traduction de l'article 13 du traité d'Amsterdam, c'est la question de toutes les minorités qui peuvent, d'une certaine manière, subir une exclusion en fonction de leurs caractéristiques. Alors, ça, c'est une politique sociale globale. Dans les systèmes éducatifs, évidemment, ça se réunit. Vous voyez la définition qui est au-dessus. Ça veut dire qu'on a recours à la notion de éducatif particulier. Mais cette notion de besoin éducatif particulier, donc, elle réunit de la même façon la définition au-dessus, elle réunit le public qui faisait l'objet de politiques spécifiques, éducation prioritaire, élèves allophones, minorités ethniques. D'ailleurs, dans un ouvrage de 2011 de Daniel Zay qui s'intitule « L'inclusion scolaire, une réponse à l'échec scolaire », on voit bien que, par exemple, la question des enfants en situation de handicap occupe une place, somme toute, assez restreinte, puisqu'il s'agit d'envisager l'ensemble des besoins éducatifs particuliers. Cette politique aussi entraîne entre les États un benchmarking. Benchmarking, vous savez, c'est la formule à la mode, c'est la comparaison compétitive. Comparaison compétitive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un système est adopté, les pays sont censés, bien sûr, se comparer sur la manière de mettre en œuvre l'inclusion, par exemple, mais sur bien d'autres domaines. Donc, on s'aperçoit aussi donc que finalement, cette question de l'inclusion dans les systèmes éducatifs déstabilise un certain nombre de systèmes éducatifs qui, bien sûr, de tradition, avaient l'habitude d'avoir des traitements séparés et de différents publics. Alors, on peut se demander à quoi est-ce que ça renvoie, cette nouvelle façon de penser la cohésion sociale et la place du système éducatif dans cette cohésion. D'une part, la notion d'inclusion, donc ça répond, on dirait, à des tendances de fond. La première qui est liée à la conception de l'individu comme étant responsable de son sort, c'est-à-dire une représentation, je dirais, idéologique de l'individu qui était censé être un être à façonner par les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, il devient acteur responsable de son parcours, animé par son intérêt, entrepreneur de lui-même, bien, vous connaissez toutes ces formules, et il est donc censé prendre en charge activement son éducation. Donc ça, c'est l'air ambiant dans lequel on vit, et c'est aussi dans... dans cette lignée-là qu'on peut lire un certain nombre d'actions qui sont liées à la mise en place de systèmes inclusifs. Deuxième élément qui est très important dans cette question de l'inclusion, c'est que, au niveau anthropologique, ça renvoie à la notion d'être capable, c'est-à-dire que et c'est ce qu'on appelle des visions continuistes, c'est-à-dire que on est amené à ne pas séparer des moments où une personne peut être en incapacité de et des moments où elle va pouvoir devenir à nouveau capable de. Donc ça repose sur l'idée que, bien sûr, tous les individus, tous les êtres sont capables d'évoluer et qu'on ne peut pas fixer définitivement
leur potentialité. D'où l'idée, bien sûr, que les systèmes éducatifs doivent être là pour, entre guillemets, potentialiser les capacités de tous. Et puis, le troisième élément qu'on remarque, qui est très présent aussi dans le même mouvement d'installation des politiques inclusives, c'est le mouvement qui est lié à la désinstitutionnalisation et qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes qui avaient recours à des systèmes séparés d'éducation spéciale sont considérés comme ségrégatifs. Donc il y a un mouvement, bien sûr ce n'est pas un mouvement qui date d'aujourd'hui, bien sûr c'est quelque chose qui s'est installé dans la situation depuis maintenant un certain nombre de décennies, mais on voit bien que aujourd'hui la question de la spécialisation ou de l'existence de secteurs spécialisés est généralement remise en cause. Pour mémoire, pour ceux qui ne, la dernière visite de la déléguée de l'ONU en France avait fait quelques remarques relativement désobligeantes sur le système éducatif français et avait indiqué que de toute façon, il ne pouvait pas exister de bon établissement spécialisé. C'était antinomique. Donc on voit bien que là, on est dans un paradigme, je dirais, qui est très puissant et qui a des conséquences majeures sur les systèmes éducatifs. Alors, l'installation de ce nouveau paradigme inclusif, est-ce que ça implique, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que ça implique définitivement un changement de rôle social pour l'école? Parce que finalement, quand on observe la fonction des systèmes éducatifs, on s'aperçoit que systèmes éducatifs sont des institutions majeures, que c'est à l'école qu'on détermine la valeur intrinsèque des individus, qu'on hiérarchise les compétences, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on serait en quelque sorte passé dans un modèle où l'école devrait répondre, poursuivre trois objectifs, répondre à l'ensemble des besoins de chacun, doter les élèves des moyens d'aller chercher eux-mêmes aussi des savoirs qui sont désormais, bien sûr, largement disponibles dehors des systèmes éducatifs, proprement formels, en fait, et se rendre accessible à tous. Donc, on voit bien que ces trois objectifs, du point de vue de l'institution, bien sûr, ça constitue un saut majeur. Alors, moi, j'appelle ça une manipulation génétique d'ampleur, puisque le code génétique de l'école, bien sûr, avait une autre configuration, c'est notamment celle de l'élitisme républicain. Alors, et faire en sorte aujourd'hui de passer de l'élitisme républicain à une école post-formative, comme le dit Serge Bersold, est-ce que c'est aussi simple que ça? La question mérite d'être posée. Alors, je vais plutôt m'intéresser de façon, je dirais, très rapide à reprendre la généalogie finalement de ce qui s'est passé dans l'école française, du point de vue de la hiérarchisation des compétences et notamment des compétences intellectuelles des élèves. Bien sûr, j'espère ne pas me tenir rigueur de passer plus d'un siècle d'histoire en une diapositive, mais les circonstances font qu'on ne peut pas, bien sûr, développer
développer suffisamment profondément les choses. Donc, il faut savoir malgré tout que l'histoire de la déficience intellectuelle, donc elle est fondée sur le retard scolaire, hein, chacun est, la façon dont Alfred Binet et son échelle métrique ont en quelque sorte traduit et mesuré la question de l'intelligence des élèves en fonction des normes d'acquisition, d'acquisition scolaire. Hein. Même si après, bien sûr, ça a eu une histoire qui s'est différenciée, au départ, on est bien sur cette idée-là. Même si aussi, également, on voit que dans l'histoire du système scolaire, cette question du quotient intellectuel, par exemple, a eu très peu d'impact et très peu d'existence du début du XXe siècle jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. C'est après la Seconde Guerre mondiale que finalement cette déficience intellectuelle s'est trouvée fois biologisée, c'est-à-dire qu'on l'a on l'a tenu, et les chercheurs la tenaient pour l'époque comme biologique et irréversible, hein, c'est-à-dire inscrite dans le corps. Hein, et donc, que cette déficience intellectuelle devait être dépistée et planifiée en termes d'orientation vers l'enseignement spécialisé, un enseignement spécialisé particulièrement conçu donc, pour accueillir des élèves qu'on dirait en difficulté scolaire aujourd'hui. Il faut savoir que dans cette période des années 60, cette transformation massive du système scolaire a été très importante. Elle est liée notamment à l'allongement de la scolarité, c'est-à-dire le passage de la scolarité obligatoire à l'âge de 16 ans, et le fait que le premier cycle de l'enseignement secondaire s'est ouvert à l'ensemble des élèves. C'est-à-dire qu'on avait avant ça, bien sûr, une école primaire qui fonctionnait de façon autonome et un lycée d'école qui fonctionnait de façon autonome. Et donc, la mise en système du système scolaire a produit un choc du point de vue du système, qui a fait que, notamment les classes de perfectionnement, ont pu voir leur effectif doubler en valeur absolue en une quinzaine d'années. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui a fait que, justement, l'unification du système scolaire a produit ce qu'on appelle une éviction très très importante d'élèves vers l'enseignement spécialisé. Cette éviction qui s'est accompagnée d'une croissance exponentielle des redoublements à l'école primaire. Donc on voit bien que, alors il faut savoir, hein, peu de personnes s'en rappellent, mais qu'en 1973, seulement 30% des élèves arrivaient à l'heure à la fin de l'école primaire. Donc, si vous voulez, c'est vraiment cet allongement de la scolarité, la mise en système, l'ouverture vers le collège unique qui se réalise qu'en 1975, qui modifie la structure du système scolaire et qui fait apparaître un certain nombre de fonctionnement ou dysfonctionnement. Dans ce paysage, c'est dans ce paysage qu'est venue l'invention du handicap en 1975, l'invention du handicap qui a eu pour effet d'installer donc cette catégorie médico-administrative du handicap et qui a permis que cette catégorie se détache en partie de la déficience intellectuelle. Donc ensuite, bien sûr, on a eu les premiers pas de l'intégration scolaire, et puis un saut déterminant en 1988-1989, au moment où la notion même de déficience intellectuelle légère a été abandonnée
au profit de la notion de retard mental. Et donc, à cette époque-là, à partir de cette époque-là, on a pu dire que, effectivement, l'école est entrée dans les difficultés scolaires, c'est-à-dire que les élèves en difficulté, enfin, d'un seul coup, un certain nombre d'élèves qu'on considérait comme déficients sont devenus des élèves en difficulté sous l'effet de la refonte de la notion de déficience intellectuelle. C'est quand même très, très important à comprendre dans tous les mécanismes qui ont présidé à l'installation des différentes classes et fonctionnement dans le système scolaire français. Et puis, bien sûr, la fin ou le début de l'histoire, le début de l'histoire de l'inclusion qui démarre avec 2005, bien que, évidemment, le droit... 2005, c'est le droit à la scolarisation. Il faut voir qu'il existait quand même déjà depuis 1999 dans une circulaire qui avait été une circulaire Ségolène Royal de 99 qui affirmait le droit à la scolarisation, mais ce n'était qu'une circulaire. Donc, on passe à l'apparition de l'inclusion dans la politique scolaire française. Alors, de façon très rapide, si... on a souvent tendance à présenter l'histoire comme un long fleuve tranquille qui va depuis la ségrégation jusqu'à l'arrivée salvatrice de l'inclusion. Il faut bien comprendre que quand on regarde un petit peu les choses d'un peu plus près, les choses, elles ne sont pas aussi simples que ça. Donc, si je fais, c'est pour ça que je fais une généalogie de courte durée. D'une part, donc, l'inclusion n'est pas mentionnée dans la loi de 2005. Elle apparaît dans le rapport de l'IGEN en 2009, qui sort un rapport très important et très épais sur la question de l'inclusion. C'est d'ailleurs après, à la suite de ce rapport, que seront changées les dénominations des CLIS et des ULIS, où le I de intégration deviendra un I de inclusion, puisque justement, ce qui me fait souvent dire que au départ, on assistait plus à un changement de vocabulaire, mais que la grammaire du fonctionnement de l'école n'était pas modifiée pour autant. En 2011, il faut savoir que Jean-François Chaussy, à la demande du Premier ministre, fait un rapport sur l'école inclusive et refuse la notion d'inclusion. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je vous mets juste la petite citation en dessous qui est extraite de son rapport, où il dit que scolarisation trois fois oui, inclusion trois fois non. On est en 2011. Par M. Chaussy, qui est quand même le promoteur de la loi de 2005, enfin, c'est-à-dire c'est celui qui est à l'origine de son élaboration. Donc on voit bien que, si vous voulez, au niveau des principes et sur la question d'une forme d'unanimité qui régnerait autour des questions d'inclusion, on est quand même, je dirais, un petit peu loin du compte. La loi de juillet 2013, elle inclut bien sûr la question de l'inclusion, mais en la situant comme l'inclusion de tous les enfants, quel que soit leur problème, mais en référence à la mixité sociale. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans l'harmonique de la politique de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'inclusion comme facteur de cohésion sociale, et puis bien sûr la loi de 2019 qui maintenant donc institue le service public de l'école inclusive avec un comité de suivi annuel. Donc, voyez comment, si vous voulez, compris au niveau de la façon dont ça se passe dans un système éducatif comme le nôtre, il y a un télescopage entre, d'une part, une histoire sur le temps long de la question dont on a apprécié les
compétences intellectuelles des élèves à l'école et conçu des dispositifs spécialisés sur la base de catégorisation médicale. Et ce temps long, il est aussi, bien sûr, pour le coup, rattrapé par un temps court qui est celui de la mise en place successive de politiques en marchant vers cette notion d'inclusion. Alors, je souhaiterais là aborder donc une question de l'analyse multiniveau, ce qui renvoie à ma petite présentation initiale, mon schéma, c'est-à-dire essayer de comprendre puisqu'il s'agit d'une politique qui est aujourd'hui une politique mondiale, c'est d'essayer d'observer ce que ça produit. Et quels sont les éléments de discussion ou de mise en œuvre qui peuvent nous éclairer quand on analyse cette situation, je dirais, au niveau international. Alors, au niveau international, sur le plan des discours et des incitations en termes d'inclusion, pour aller très très vite, hein, il faut savoir que, bien sûr, il y a au moins deux manières principales, et quand on regarde de plus près, il y en a beaucoup plus, bien sûr, quand on redescend au niveau des systèmes éducatifs, mais il y a deux manières principales d'interpréter la question de l'éducation, de l'inclusion éducative. C'est que pour les pays du Sud, l'inclusion, ça signifie l'éducation pour tous, hein, c'est-à-dire faire en sorte que tous les élèves accèdent à un enseignement primaire de qualité, et ceci jusqu'à l'âge de au moins 11 ou 12 ans. Hein, donc ça rejoint, si vous voulez, l'inclusion, ça rejoint le programme de l'éducation pour tous, hein, formulé par l'UNESCO en 2000. Donc, ce qu'il faut aussi observer, c'est que derrière l'unanimité des textes, bien sûr, toutes les manières de mettre en œuvre ou d'appliquer les politiques inclusives sont fatalement contextualisées en fonction, bien sûr, des différents pays et des différentes traditions des systèmes éducatifs. Juste un exemple, hein, dans une réunion d'experts internationaux qui était chargée d'examiner la façon dont les politiques inclusives mise en œuvre, la question de l'Éthiopie est arrivée sur le devant de la scène, où il y avait une politique de mise en œuvre de l'inclusion qui concernait effectivement tous les élèves justement en situation de handicap sensoriel ou moteur, mais qui ne concernait pas les élèves avec déficience intellectuelle. Donc il y avait une par exemple une application en Éthiopie de l'inclusion qui concernait uniquement, je dirais pour aller vite, les handicaps visibles, sensoriels et moteurs, mais ne concernait pas les difficultés intellectuelles, par exemple. Bien sûr, le fait qu'aujourd'hui l'inclusion soit devenue le paradigme dominant en matière d'implantation de politiques éducatives, ça permet aussi effectivement à des pays qui très peu dotés en enseignement spécialisé de passer directement à la case inclusion sans avoir connu si vous voulez, deux systèmes spécialisés de traitement différencié des élèves. Alors, c'est pas toujours évident à comprendre, mais ce qu'on essaye de voir quand on observe au niveau international, c'est comment les pays s'y prennent pour avancer vers des objectifs inclusifs. Puisque c'est, on a vu qu'il y avait donc une pression relativement importante, hein, au niveau international. Donc,
On a beaucoup souligné le rôle des organisations non gouvernementales, hein, ou d'agences indépendantes pour faire pression, je dirais, sur un certain nombre de leaders gouvernementaux, bien sûr en lien avec la politique des associations de représentants de personnes en situation de handicap ou de familles de personnes handicapées. Hein. Donc, là, je dirais, il y a aujourd'hui au niveau international un pôle de pression relativement structuré et important et qui pèse en faveur de la mise en place de politiques inclusives. Alors, rapidement, hein, je vous donne trois exemples parce que c'est des exemples que j'ai connus auxquels j'ai pu participer. Hein. Vous avez typiquement, par exemple, dans le cas du Cambodge, où les organisations non gouvernementales prennent un certain nombre de fonctionnements modèles, hein, de classes inclusives modèles, les mettent en avant, essayent de diffuser et font une intervention, je dirais, de promotion et de lobbying, appelons ça, oui, comme ça, on peut appeler ça d'une certaine manière, c'est pas forcément péjoratif que de faire du lobbying, mais d'essayer de faire comprendre aux différents gouvernements, enfin là, aux gouvernements nationaux et aux ministères en question, que la politique inclusive est bonne développer, et on se sert donc bien sûr d'exemples de classes pilotes ou d'écoles pilotes. Hein. Donc, bon, alors j'ai mis Cambodge parce que c'est un exemple que je connais, auquel j'ai participé, mais c'est un fonctionnement de cet ordre-là. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça a des effets extraordinaires, parce que souvent, bien sûr, ça se termine par une écoute polie de la part des autorités des différents gouvernements, mais qui se traduisent difficilement par des mesures. Autre exemple, alors là, plus près de nous, au sein de l'Union européenne, où, par exemple, en ce qui concerne la Belgique, vous savez que la Belgique étant le pays de l'Union européenne où subsiste l'enseignement spécialisé le plus important. Donc, dans le benchmarking, dans la comparaison compétitive, la Belgique, entre guillemets, subit la pression de ses partenaires pour aller un peu plus vite vers des politiques inclusives. Donc, là, par le biais d'une agence gouvernementale réunie il y a maintenant 2 ans, réunit un groupe d'experts internationaux pour essayer de comprendre, à la fois de comprendre et de faire un certain nombre de propositions d'évolution des systèmes. Donc, vous voyez, alors évidemment, ce sont des incitations, hein, bien sûr, ce ne sont jamais les États sont souverains, ce ne sont jamais des obligations, mais quand on a, si vous voulez, un groupe d'experts qui fait un certain nombre de recommandations pour faire évoluer le système, bon, ben, ça peut avoir un impact. Donc, il m'est arrivé donc de participer à ce groupe en ce qui concerne la Belgique, d'ailleurs en compagnie de Philippe Tremblay. Hein. Bon, en tout cas, pour nous, c'est très intéressant d'observer comment les systèmes éducatifs se débattent, d'un certain point de vue, avec les mesures à prendre pour faire avancer. Mais ça ne veut pas dire que ça a, bien sûr, des conséquences directement concrètes. Hein, c'est pour vous situer, si vous voulez, que quand on parle d'inclusion, il y a une pression politique qui est quand même très forte
et il faut aussi il faut la prendre en compte. Troisième expérience que j'ai pu avoir, c'est avec le Japon, où là aussi, au niveau international, le Japon étant aussi un des pays à l'échelle internationale qui avait considérablement développé son enseignement spécialisé, hein, il y a un enseignement spécialisé tout à fait indépendant de l'enseignement ordinaire et qui est structuré tout au long de la scolarité, y compris avec ce qu'on appellerait chez nous les établissements médico-sociaux qui au Japon font partie de l'éducation nationale. Hein, c'est comme, si vous voulez, c'est exactement comme le système français, sauf que tout appartient, entre guillemets, tout est géré par l'éducation nationale. Et donc, le Japon lui-même a aussi éprouvé le besoin de faire évoluer ses politiques et de convoquer et de travailler avec un certain nombre d'experts sur ces questions-là. Alors maintenant, rapidement, sur quoi ça peut s'appuyer cette évolution ? On a vu que la notion, il y a un point qui est cardinal à mon sens, c'est la question des besoins éducatifs particuliers, parce que là aussi, sur cette question des besoins éducatifs particuliers, il y a deux manières de les aborder. Selon la manière dont on va définir l'éducatif particulier, on va trouver des systèmes éducatifs qui se disposent différemment du point de vue de leur façon de pratiquer l'inclusion. Je ne dis pas sur les principes, il y a unanimité, mais sur la manière de les mettre en œuvre dans les systèmes éducatifs, là, ça renvoie bien sûr aux différentes traditions historiques des pays concernés. Donc, quand on a au niveau européen ce qu'on a fait avec une équipe, là il va y avoir une équipe d'enseignants français, un article devrait paraître dans la nouvelle revue de l'adaptation et de l'inclusion éducative, la revue de l'INSHEA prochainement. On a fait une comparaison sur ce qui se passait dans 8 pays européens autour de ces questions de définition des besoins éducatifs particuliers. On s'est rendu compte qu'il y avait deux polarités, on va dire, hein, la définition des besoins éducatifs particuliers par chacun des pays appartient donc à chacun des pays, mais il y a deux sens générales, on va dire. Il y a ceux qui font des définitions à partir d'une réflexion pédagogique. Hein, donc, je vous ai mis la définition irlandaise, par exemple, des besoins éducatifs particuliers, besoins éducatifs spéciaux, parce qu'au niveau européen, ça s'appelle éducatifs spéciaux. Il n'y a qu'en France qu'on dit particulier, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Donc, en fait, la définition pédagogique, on définit comme élève qui a des besoins particuliers, des besoins éducatifs particuliers, à partir du moment où on considère qu'il ne peut pas atteindre les apprentissages de son niveau d'âge, de son niveau de classe, pour une quelconque raison, hein, et qu'il a besoin d'un soutien qui soit temporaire ou permanent. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez des pays qui ont des définitions des besoins éducatifs spéciaux qui sont strictement réglées aux catégories médico-administratives. C'est le cas d'ailleurs donc de l'Allemagne. L'Allemagne, elle dit bien, la définition actuelle des besoins signifie un soutien spécifique pour les élèves handicapés. Et uniquement les élèves handicapés. Hein, c'est...
Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien pour les autres, mais ça veut dire que la façon dont ils définissent, enfin, en gros, la façon dont ils font leurs statistiques, parce que c'est ça l'enjeu, hein, puisqu'il s'agit de recueillir des statistiques au niveau de l'Agence européenne, la façon dont ils font leurs statistiques, c'est on considère comme élève à besoin éducatif particulier uniquement ceux qui sont reconnus handicapés. Et c'est de la France. La France fonctionne de manière. La France et l'Allemagne, d'ailleurs, ont énormément de similitudes dans leur façon d'approcher l'inclusion dans les systèmes éducatifs. Ils s'en tiennent à une définition qui est des différentes catégories de handicap. Donc, la comparaison qu'on a pu faire au niveau de ces différents pays, c'est-à-dire que on a d'abord regardé la façon dont ils définissaient les besoins éducatifs particuliers en faisant trois distinctions qui sont très, très simples, mais qui permettent malgré tout de ranger, entre guillemets, toutes les définitions qui sont produites par les pays. Alors, soit on a une définition médico-catégorielle, c'est-à-dire que on considère comme élèves handicapés les élèves qui sont reconnus handicapés, et dans cette reconnaissance-là, on a ensuite la déclinaison des différentes catégories, déficience mentale, déficience sensorielle, moteur, donc toutes les catégories, je dirais, médicales ou médico-administratives exactement, de définition du handicap. Donc, il y a des pays qui ont donc cette définition médico-catégorielle et les pays qui ont une définition pédagogique. C'est-à-dire que, pas baptisé pédagogique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on évalue les besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire qu'on considère tous les élèves qui ont des difficultés pour accéder aux apprentissages dans leur classe d'âge, quelle que soit la raison et quelle que soit l'origine de ces difficultés. Et ça, donc, là, vous avez donc des pays à définition médico-catégorielle, comme l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie. Alors, vous voyez que c'est important à comprendre, hein, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on a une définition médico-catégorielle qu'on n'est pas inclusif pour autant, hein, puisque le contre-exemple, c'est l'Italie. L'Italie définit strictement les élèves en situation de handicap, sauf que tous les élèves handicapés ils sont à l'école. Hein? Donc on a dans ce tableau fait une chose toute simple, hein, c'est-à-dire qu'on a mis d'un côté, donc, dans la première colonne, le type de définition. Dans la seconde colonne, le pourcentage d'élèves considérés à besoins éducatifs particuliers par la population scolaire globale, hein, donc ce sont ici ce sont des pourcentages mais en chiffres absolus, hein. Exemple, je prends la Belgique, mettons, hein, la Belgique, donc définition médico-catégorielle, pourcentage d'élèves reconnus à besoins éducatifs particuliers 5,2% en 2012 et 5,3% en 2018. La colonne suivante, vous avez le pourcentage d'élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés à 80%. Alors là, très important à comprendre, parce que la scolarisation à 80%, c'est une règle européenne. C'est la règle européenne qui a été définie. On considère qu'un élève est inclus à partir du moment où il passe moins 80% de son temps scolaire en classe primaire. Comprenez? C'est le critère européen. Certains pays ont d'ailleurs du mal à le prendre en compte, mais en tout cas, c'est le critère. Donc, vous comprenez, voyez le tableau, le pourcentage d'élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés
à 80%, donc vous avez 47,8% pour l'Allemagne, 5,4% pour la Belgique. Vous comprenez pourquoi la Belgique crée un groupe d'experts pour, pour voir comment faire évoluer l'inclusion dans leur pays. L'Espagne, 80% de scolarisation a remarqué d'ailleurs que ça a diminué entre 2012 et 2018. Voilà, il y a aussi une diminution en Finlande. Alors la Finlande, elle refuse le critère, enfin elle refuse. Elle dit qu'elle peut pas, comment adopter le critère des 80%. C'est trop dur parce que ils auraient trop peu d'élèves scolarisés à 80%, donc ils retiennent eux le critère de 50% du temps. Donc voilà, la France, l'Irlande, l'Italie, hein, évidemment. Alors, donc l'Italie, 98,7% des élèves a besoin, enfin, handicapés, besoin éducatif particulier, scolarisés en classe ordinaire. Et puis, alors la Suède, alors je fais là un aparté sur la Suède parce qu'il faut toujours savoir ce qu'on compare quand on compare les chiffres. Parce que la Suède, ils n'ont pas de définition des besoins éducatifs particuliers. Ils refusent la notion de besoins éducatifs particuliers en disant tous les élèves ont des besoins éducatifs particuliers. Donc tous les élèves sont à BEP. Donc on ne fait pas de recensement des BEP en Suède. D'accord ? Donc les chiffres que vous voyez là sont uniquement ça représente en fait les élèves gravement handicapés qui sont dans des établissements spécialisés hors de l'école, c'est-à-dire 0,9% de la population scolaire. Tous les autres élèves sont à l'école puisque tous les élèves sont considérés comme ayant des besoins éducatifs particuliers. Et puis dans la dernière colonne, dans la dernière colonne, on a mis la classification aussi européenne de la façon dont fonctionnent les systèmes éducatifs, c'est-à-dire selon qu'ils sont différenciés avec des orientations entre les niveaux, par exemple, comme en Belgique ou en Allemagne, vous savez, où il faut, à la fin de l'école primaire, on est, comme c'était le cas en France avant 1900, on est orienté vers l'enseignement court ou l'enseignement long, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes différenciés. Vous avez la majorité des systèmes qui sont des systèmes à tronc commun, c'est-à-dire comme le nôtre. Il y a des troncs communs, mais avec différents parcours à l'intérieur de ces troncs communs, différentes options ou différents parcours. Et puis, vous avez les systèmes à fonctionnement unique, qui sont très peu nombreux. Il y a justement la Suède, c'est-à-dire où là, la scolarité est indifférenciée de l'âge du début de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, mais indifférenciée, totalement indifférenciée. Donc, on comprend pourquoi, là aussi, bien sûr, la notion de besoin éducatif particulier n'a pas le même écho, n'a pas la même résonance et ne retentit pas de la même manière. En conclusion de tout ça, on peut dire que finalement, l'inclusion, quand on regarde ce qui se passe au niveau international, la façon dont c'est mis en œuvre, les différentes interprétations peuvent se glisser au niveau politique, mais au niveau du fonctionnement des établissements, on s'aperçoit que l'inclusion est un principe guide, bien sûr, mais ce n'est pas un état. C'est-à-dire qu'on a soit inclus, soit exclu. Ce n'est pas un fonctionnement binaire. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Vous avez pu le voir, un certain nombre de facteurs historiques de fonction du système, de tradition de fonctionnement du système. Donc, c'est pas la même chose en Italie où il y a le collège unique
depuis 1964, ou en Suède, où il y a un collège unique depuis 1962, et en France, où il a péniblement commencé à se mettre en place à partir de 1977. Donc, comprenez que, bien sûr, ça génère les mêmes choses. Donc, évidemment, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, il n'y a pas de façon, de modèle unique aussi, bien sûr, d'avancer vers des modèles, on dira, plus inclusifs. Et c'est pour ça que je vous ai mis la définition d'inclusion, celle que je préfère, on va dire, puisqu'il y en a des multiples, en tout cas celle que je préfère, celle de Beauf et Enscow en 2002, qui est large, qui définit bien que c'est un processus d'augmentation de l'apprentissage et de la participation des élèves. Et là, on voit, bien sûr, à l'intervention d'Amaël ce matin, ce qui compte, bien sûr, c'est d'aller comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on peut améliorer la participation des élèves aux apprentissages dans leur classe. Et j'aime bien aussi l'idée que c'est un idéal auquel les écoles peuvent aspirer, mais qui n'est jamais complètement atteint. Donc, à mon sens, c'est une définition suffisamment ouverte qui permet d'aller et qui permet d'avancer. Alors maintenant, on va replonger. Il faut que j'en suis au niveau de l'horaire. D'accord. Alors, on va replonger dans les classes. On va replonger ce qu'on va replonger dans les classes. C'est la fin, c'est la conclusion. Parce que c'est là qu'on travaille essentiellement, nous aussi, en tant que chercheurs. Une phrase je vous ai mis en exergue, entre guillemets, la phrase que l'on entend souvent pour les enseignants qui pratiquent l'inclusion, enfin en tout cas l'accueil d'élèves, je dirais plutôt l'accueil d'élèves en situation de handicap dans leur classe, c'est « les élèves en situation de handicap, oui, mais les autres élèves de la classe. » Oui, mais il y a les autres élèves de la classe. Ça, c'est entre cette réflexion et le fait que les enseignants se sentent souvent, comme on dit, démunis, c'est beaucoup des réflexions que l'on entend aujourd'hui parce que la situation n'est pas simple et que la façon dont l'inclusion est mise en œuvre fait que on a un texte un peu de retrait que l'on observe dans les écoles, en tout cas moi que j'observe. J'ai commencé les premières enquêtes sur l'inclusion en 2007 et entre 2007 et 2019, l'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit n'est pas le même. On sent qu'il y a actuellement, ben, c'est logique d'ailleurs que l'état d'esprit ne soit pas le même, dans la mesure où, de fait, l'inclusion a augmenté de façon bien sûr exponentielle et qu'on a aujourd'hui un nombre considérable d'enfants en situation de handicap qui sont inclus à 80% du temps dans des classes ordinaires. Donc on est vraiment là sur comment, sur quoi s'appuyer, on va dire, pour modifier le piège vous est souligné pour le piège en matière d'inclusion, c'est de considérer l'élève différent parmi les autres. C'est-à-dire, il y a l'élève en situation de besoin éducatif particulier, en situation de handicap, et puis il y a les autres. À partir du moment où on raisonne de cette manière-là, on va dire que c'est mal parti.
c'est mal parti parce que justement le principe inclusif ou le principe de la pédagogie universelle, comme on parlait à Maëlle ce matin, c'est de ne pas considérer qu'il y a un élève avec des besoins éducatifs particuliers et puis les autres, hein, mais que cet élève, il est différent comme les autres. Hein, c'est-à-dire que, je dirais, besoin éducatif particulier, c'est une notion relativement universelle. Là-dessus, on pourrait rejoindre la conception suédoise, hein, même si ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font va forcément dans le bon sens. Il y a même pas mal de régressions en ce moment. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, en façon d'aborder la question des besoins éducatifs particuliers, c'est important que tout le monde met en œuvre, enfin, à un moment donné, se trouve confronté à avoir des besoins éducatifs particuliers. Alors, question de la norme et des évaluations, ça c'est très très important parce que je pense que ce qui met en difficulté et ce qui crée un certain nombre de dilemmes pour les enseignants, y compris donc les enseignants qui sont en situation d'accueillir des élèves en situation de handicap, c'est la question des normes scolaires et des évaluations qui sont aujourd'hui très très brillantes dans le système scolaire. Alors, j'ai mis un collège à Asnières, c'est parce que un exemple de recherche où on a suivi un collège pendant 2 ans, un collège REP+ à Asnières, où une équipe d'enseignants, enfin, une grosse proportion d'une équipe d'enseignants avait mis en place des fondements de co-enseignement, de décloisonnement des élèves de SECPA, de mise en place d'un processus inclusif très important. Alors, je mets des guillemets à inclusif, c'est parce que eux, ils parlaient d'inclusion. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi s'entendre sur le vocabulaire, que dans les faits, ils faisaient ce qu'on appelle de l'intégration. Mais ils s'en sont rendus compte que trop tard, une fois que… Alors, pourquoi la norme et les évaluations dans ce collège ? Parce qu'il y avait eu un travail et un investissement d'enseignants très, très important dans tant de disciplines, français, histoire, géographie, sur la question des évaluations. Et où, de travail, les enseignants avaient mis au point tout un système qu'ils appelaient le coup de pouce, c'est-à-dire qu'il y avait des évaluations, et pour les élèves, si vous voulez, qui se trouvaient en difficulté par rapport à l'accomplissement d'une évaluation, ils avaient mis au point un système très didactiquement relativement élaboré de ce qu'ils appelaient de coup de pouce, c'est-à-dire des aides particulières qu'ils pouvaient fournir aux élèves qui se trouvaient en difficulté. Et donc, ça partait, ça avait été une réflexion pédagogique tout à fait installée, qui les avait beaucoup mobilisés, qui leur avait demandé énormément de temps de travail. Et lors d'une réunion avec ces équipes d'enseignants, on s'est posé la question de ce que pourrait être une évaluation inclusive. Et là, on s'est dit, mais finalement, votre thème de coup de pouce, ça part des évaluations traditionnelles et on vient donner des aides à ceux qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'on continue. On n'est pas dans la pyramide que présentait Amaël ce matin, c'est-à-dire qu'à base, une évaluation, elle doit partir de ce que tout le monde universellement, entre guillemets, est capable d'atteindre, et on franchit un certain nombre d'étapes pour aller vers le niveau, je dirais, le plus pointu, le plus performant d'acquisition vers le haut. Or, le fonctionnement, malheureusement, au niveau scolaire, c'est qu'on fixe la barre au niveau de la hauteur qui doit être atteint, au niveau de la norme qui doit être atteinte, et ensuite, on va éventuellement considérer qu'il y a des aides spécifiques
pour atteindre cette barre. Donc là, on s'écarte de la logique des groupes besoins. Je termine, j'ai vu le petit panneau. Donc bien sûr, ce qu'on observe, c'est que pour aller vite, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas non plus de bonne pratique. Hein. Alors, moi, je parle de pratique inspirante ou de pratique prometteuse, hein, parce que si bonne pratique, ça veut dire qu'on sait comment faire. Justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire. La question du couronnement est quelque chose d'intéressant et qui est pas mal travaillé, mais le co-enseignement, exemple, il faut voir dans quel cadre institutionnel s'inscrit. Parce que par exemple, en Italie, les enseignants de soutien, ils sont co-titulaires de classe avec l'enseignant ordinaire. Donc, ça suit le co-enseignement à un niveau relativement intéressant, un pied d'égalité vis-à-vis de la classe ordinaire. Hein, ils sont co-titulaires de la classe. Hein. L'enseignant de soutien, il n'est pas simplement référé aux élèves qui l'accompagnent. Il est co-titulaire de la classe du soutien. Et donc ça, il y a des fonctionnements organisationnels qui permettent d'aller plus facilement vers du co-enseignement. Et puis je termine sur le règne, ce que j'appelle de la dyschronie, parce que c'est quelque chose que je travaille actuellement avec un collègue sur la base d'archives d'un enseignant spécialisé dans les années 1920 en Algérie, et où on s'aperçoit que et ben dans une classe unique avec 45 élèves dans un quartier défavorisé d'Alger en 1920, il y avait un ou voire des enseignants qui était capable de théoriser et de mettre en place une véritable pédagogie universelle, inclusive, mais il n'avait pas les mots pour le dire, vu que, bien sûr, la notion d'inclusion n'existait pas, mais qu'à cette époque-là, bien sûr, alors qu'il pratiquait et qu'il défendait une pédagogie universelle, leur premier, bien sûr, désir a été de rejoindre les premières classes spécialisées qui pouvaient s'installer à l'époque, parce qu'effectivement, dans l'ère du temps, l'idée était que en se spécialisant, on pouvait être meilleur ou en tout cas faire plus pour les élèves en situation de handicap. Enfin, à l'époque, on parlait pas d'élèves en situation de handicap. Donc là aussi, la socio-histoire, ça permet de comprendre qu'on n'est pas toujours dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la voie royale de la déségrégation vers l'inclusion, que les choses sont beaucoup plus compliquées et que de l'inclusion dans les classes, ça existe, on pourrait dire, depuis des classes. Mais que l'inclusion au niveau d'un système scolaire dans son ensemble, ça reste à venir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Philippe. Parfait. On va enchaîner tout de suite sur les questions. Alors, il y a eu déjà une demande de clarification sur le tableau avec les différents pays et le type de définition mixte, pédagogique ou catégorielle. Quelqu'un pose la question de est-ce que la SECPA entre dans la catégorie des pourcentages d'élèves ABEP scolarisés à 80%. Est-ce qu'il s'agit uniquement du handicap ou est-ce qu'on est également sur les élèves en difficulté d'apprentissage ? Manière de définir les BEP. Voilà. Pour la France, non. Alors justement, hein, d'ailleurs, pour la France, non, c'est uniquement les élèves qui ont une reconnaissance MDPH. Alors, il y en a, on ne sait pas, bien sûr, hein, il y en a même un certain, mais ce n'est pas tous les élèves de la SECPA.
Parfait. Il y a, avant de passer aux questions, il y a juste une réaction par rapport à la question de quand vous abordiez la question de certains pays, la Suède, je crois, qui disait tous les élèves ont des besoins, donc on ne fait pas de catégorie du point de vue des besoins. Juste une réaction sur le fait que dans une classe, tous les élèves ont des besoins particuliers et d'autres ont des besoins éducatifs particuliers. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Ça voudrait dire qu'il y aurait une distinction entre des besoins pédagogiques ou en termes d'apprentissage didactique et puis des besoins qui seraient au-delà, peut-être sur des questions comportementales ou... Je crois que l'idée, c'est de considérer qu'effectivement, on a tous des besoins biologiques, affectifs, qui caractérisent en fait tous les individus. Et parler de la catégorie des élèves à besoins éducatifs particuliers, ça dépasse largement ces besoins d'ordre physiologique, de sécurité qu'on connaît par le biais de Maslow. J'imagine que c'est ça qui était derrière. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est pas simple, hein, cette question des besoins. Pour en revenir à sur ce tableau, voyez l'Espagne, ils ont une définition mixte. Qu'est-ce que ça veut dire, la définition mixte? On a trouvé ça intéressant. D'ailleurs, en Espagne, vous avez, comme chez nous, vous avez enfin, l'équivalent d'une agence qui détermine si un élève est en situation de handicap, comme le fait la MDPH chez nous. Qui termine si l'élève est handicapé ou pas. Donc, il a son entre guillemets son attestation, mais quand il arrive à l'école, eh bien, on fait une évaluation et on examine savoir s'il est à besoin éducatif particulier ou pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est que dans les pays comme la Belgique, la France ou l'Allemagne, à partir du moment où un élève est considéré comme handicapé, on va le considérer comme un besoin éducatif particulier, mais non pas en fonction de ses besoins éducatifs pédagogiques particuliers, mais en fonction de son handicap, vous comprenez? Or, il y a un certain nombre de pays où il y a une évaluation diagnostique pédagogique qui est indépendante. Et c'est notamment le cas de l'Espagne, c'est aussi le cas de la Finlande, hein, où on considère que les enseignants sont à même de comprendre et de savoir comment peuvent se corriger les difficultés d'apprentissage que rencontrent leurs élèves, indépendamment du fait qu'ils soient reconnus DAH. Ou autiste ou déficient, vous comprenez? Et ça, que vous comprenez aussi que la proportion d'élèves à besoins éducatifs particuliers, évidemment, elle est comment? Zut, j'ai perdu ma. Elle est quand même différente. Elle est plus importante dans les pays à définition logique. Si vous êtes en Écosse où il y a une définition strictement pédagogique qui est revenue comme un besoin éducatif particulier, tout élève qui a besoin d'une aide pour ses apprentissages pour un temps précis, quelle qu'en soit la cause, ben il y a 18% d'élèves qui sont considérés comme... et puis c'est la même chose au Québec où il y en a 15%. Voilà. Très bien. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris en fait la question de Dominique sur le fait de poser la question de pourquoi en 2019 il n'y a pas encore eu de loi. Je peux reformuler la question. Vous avez évoqué tout à l'heure, professeur, le fait qu'il y avait eu une circulaire issue du travail de Ségolène Royal pour indiquer qu'il y avait prononcé la notion de d'inclusion, c'était ça? Donc, de 99. Scolarisation, de, oui, des élèves, de, oui.
Voilà, de scolarisation obligatoire des élèves en situation de handicap dès 1999, puis c'est passé dans la loi en 2005. En 1999, il y a eu cette circulaire de rentrée qui met en place un certain nombre de dispositifs favorisant une école inclusive, mais ça n'est pas encore la loi. Quelle importance ça peut avoir, selon vous? Moi, j'aurais tendance à penser... c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est toujours pareil. En général, on considère en bonne logique que la loi vient toujours, je dirais, concrétiser un dispositif, enfin, ou un principe qui est déjà en germe ou déjà existant. Simplement, ça vient le consacrer et lui donner une surface et une ampleur beaucoup plus importante. Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec la scolarisation. Parce qu'en 1999, si vous voulez, la circulaire sur la scolarisation, elle est contemporaine du plan Handiscol, c'est-à-dire c'est aussi le plan qui généralise la question à l'époque des auxiliaires de vie scolaire. Donc c'est tout un plan qui est mis en place en faveur de... On parlait pas d'inclusion à l'époque, mais de l'intégration généralisée. Mais ça n'atteint pas le niveau hiérarchique juridique de la loi parce que c'est trop tôt pour la France. Pour la France, c'est trop tôt parce que en France, on a un système qui est bipolaire entre l'école et médico-social, et que pour avoir une loi qui puisse mettre en place un certain nombre de principes, il faut que ces deux secteurs soient plus ou moins harmonisés. Et c'est justement on va dire que ce n'était pas le cas en 2005. Ce n'était pas le cas en 2005 qu'ils ont travaillé de façon indépendante. Hein, puisqu'il faut attendre 2009, c'est-à-dire il faut attendre 4 ans pour qu'il y ait la question des conventions entre les établissements médico-sociaux et l'école. Donc, vous voyez, alors qu'en principe, si vous voulez, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été inclus à l'origine dans la loi. Hein. Mais la loi, elle est très générale, elle incite les gens à faire et ils font ou ils ne font pas, ou ils font en plus ou moins longtemps, ou ils font aussi des allers-retours. C'est pour ça que le niveau juridique est important à prendre en compte, mais il ne détermine pas complètement tout ce qui se passe. Ce serait malheureusement trop, trop facile. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a du coup beaucoup de réactions. Je passe sur les remerciements sur la belle présentation qui a été faite. En fait, ce que je vous propose, c'est peut-être, je ne pourrais pas tout dire, il y en a beaucoup. Je vais quand même poser une question qui a été posée en fait en amont et qui rejoint peut-être celle de Claire. En fait, à propos du rapport Chaussy et la citation « Inclusion trois fois non » et scolarisation, c'est pas noté dans le truc, mais scolarisation trois fois oui, inclusion trois fois non. J'ai bien retenu que c'était la personne qui était à l'œuvre pour la loi de février 2005. Et la question, c'est est-ce que justement le côté sémantique est pas important et qu'on devrait abandonner ce concept d'inclusion pour parler en fait d'une scolarisation. L'idée est peut-être que si on parle d'une pédagogie universelle comme ce matin, l'idée, c'est d'avoir un enseignement en fait pour tous. Ça rejoint un peu ce qui a été une autre question qui pose la question des programmes d'enseignement pour tous ou adaptés. Est-ce que, donc il y a une question de sémantique. J'ai voulu lier deux questions qui n'étaient pas forcément liées, mais d'abord une question de sémantique et ensuite une question de politique inclusive avec éventuellement des programmes d'enseignement qui seraient différents avec des niveaux de compétences différents. Alors. Oui, c'est intéressant. Alors, si vous voulez, la sémantique, je partage le point de vue, je suis sans faire, je suis
Wittgensteinien au niveau philosophique de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la manière dont les personnes utilisent les mots, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent comme pratique derrière les mots qu'ils utilisent. Pourquoi je dis lui, pourquoi Chaussy est réactif par rapport à l'inclusion, c'est parce que il le dit d'ailleurs dans la suite de son rapport, il dit c'est un concept anglo-saxon, ça n'a rien à voir avec nos traditions, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et pour nous, il est simplement question de l'élève en situation de handicap, il doit être scolarisé, point. Hein. Donc, pourquoi pas, je dirais que c'est un point de vue qui est tout à fait entendable pour peu qu'on modifie, qu'on prenne en compte le fait que la scolarisation des élèves en situation de handicap, elle implique une modification du système. Il ne peut pas y avoir de scolarisation pure et simple. Or, dans l'esprit de Chaussy, c'était un petit peu ça. C'est en gros, il suffit qu'ils aillent à l'école. Or, non, il ne suffit pas que les élèves aillent à l'école. Il faut qu'il y ait un mouvement conjoint de transformation. Si on l'inclut, on se réunira, on fera des réunions dans 10 ans pour pleurer sur le concept parce qu'il aura été, abandonné. Hein. Mais après que la question de la terminologie et de l'abandon du terme peut se poser. Hein, tout à fait. Comme je plaide pour l'abandon de la notion de handicap. Pour moi, c'est devenu aujourd'hui, mais aujourd'hui, hein, évidemment. Ce n'était pas le cas en 1975, bien, loin de là, au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une notion qui fait obstacle. C'est une notion qui fait obstacle, notamment à l'inclusion éducative. Hein, puisque on subordonne la mise en place de quelque chose à la notion préalable d'un statut, qui est le statut de personne en situation de handicap. Donc, vous voyez, là, c'est pour ça que j'aime bien la notion de pédagogie universelle. Elle est peu employée. Bon, aujourd'hui, il y a différents mouvements. Hein. Aux États-Unis, les choses se mettent en place dans un certain sens. Il y a des mots aussi relativement critiques, mais critiques pour dire il faut aller plus loin que la simple non-ségrégation. Il faut aussi changer les normes et la façon dont le système scolaire favorise le maintien des normes. Donc, ce sont des choses qui sont relativement compliquées et qu'il faut prendre en compte. Mais vous avez raison, hein. Sémantiquement, il y a des notions dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser. Et puis, c'est des notions écrans. Hein. Je peux vous dire que l'équipe du collège avec laquelle on travaillait, ils parlaient d'inclusion, mais dans leur façon de fonctionner, mais c'est pas, il ne s'agit pas de les incriminer, puisqu'ils faisaient un travail assez intéressant, mais ils le faisaient en appliquant des principes de l'intégration, c'est-à-dire, si on est capable de...